Il se passe décidément d'étranges choses dans l'île de Bazan. Rappelez-vous, ces vols mystérieux, ces disparitions. Lorenza, la guérisseuse de perles, la femme du peintre Louis Grivard, disparue sans laisser de traces. Et Rapopov, disparu à son tour. Et le professeur Bondana? Qu'est-il donc arrivé au professeur Bondana dans ce magnifique jardin au pied du grand Bouddha? Est-il mort? A-t-il été victime d'une arme mystérieuse au moment même où il allait découvrir la solution du mystère? La clé de ce mystère était-elle cette jeune fille nue au masque aveugle qui l'a surprise dans la nuit? La solution était-elle dans le temple bouddhique où il l'a suivi? Peut-être. Peut-être. Mais qui pourra trouver cette solution si le professeur Bondana a disparu à son tour? Nous sommes au lendemain matin. Un matin comme les autres. Mais la maison a l'air bien vide. Monsieur Bondana. Monsieur Bondana. Docteur. Tiens, c'est curieux, ça. La porte est ouverte et personne ne répond. Docteur. Monsieur Bondana. Docteur. Docteur. Le docteur n'est peut-être pas encore levé. Ah, c'est quand même curieux. Rapopov devrait répondre, lui. C'est pas normal. La maison a l'air vide. Allons voir au premier. Oui. Sur son lit. Mon Dieu, comme il est pâle. Mais... il est mort ? Écoute ! Écoute, son cœur ne bat plus. Non, non, il bat encore. Très faiblement, mais il bat. Oh, quelle étrange odeur. Vite, à toi, Ra, ouvre la fenêtre. Ne touche pas à toi, Ra. Mais pourquoi, père? Ce n'est qu'une fleur. C'est à cause de cette fleur que le docteur est dans cet état. On a voulu l'empoisonner. Heureusement que j'ai eu l'idée de passer ici ce matin. Il n'y a que moi dans l'île qui puisse le guérir. Viens vite avec moi dans le jardin, toi, Ra. Tu vas m'aider à accueillir les plantes dont j'ai besoin pour le soigner. Oui. Aide-moi à lui desserrer les dents, à toi, Ra. Il faut absolument qu'il boive tout. Ah, voilà. Tu crois qu'il va guérir? Mais oui, fais-moi confiance. D'ailleurs, regarde. Le Bouddha. L'auréole d'or. Le jardin. Cette odeur. Il délire, mais ça va passer très vite. Monsieur Bondana. Amalou. À toi, Ra. Que faites-vous ici? Mais... je suis dans mon lit. Que m'est-il arrivé? Ah oui, je me souviens. À toi, Ra, va jouer dans le jardin. Mais... va, mon enfant.
Vous avez failli mourir, monsieur Bondona. Je suis arrivé juste à temps. Mourir? Moi? Mais... Oui, c'est malheureusement vrai. Excusez mon indiscrétion, mais que s'est-il passé exactement? Et où est monsieur Rapopov? Mais je ne sais pas. Il a disparu il y a deux nuits. Aussi mystérieusement qu'avaient disparu les nuits précédentes mes papiers et mon argent. Avez-vous vu votre voleur? Jusqu'hier, non. Hier soir, j'ai voulu en avoir le cœur net et je me suis mis aux aguets. Et au milieu de la nuit, j'ai enfin surpris mon voleur. Qui était-ce? Le reconnaîtriez-vous? Sûrement pas. Mais c'était une jeune fille entièrement nue, au visage masqué par un casque ancien, dont les yeux étaient remplacés par des disques de cornes opaques. Je l'ai suivie sans qu'elle m'entende. Elle m'a conduit jusqu'à un jardin magnifique. Et ensuite... Ensuite, je ne me souviens plus de rien. J'ai dû être victime d'une hallucination. Sinon, je ne m'explique pas comment j'ai pu revenir dans mon lit. Non, monsieur Bondona, ce n'est pas une hallucination. Tout ce que vous avez vu est arrivé réellement. Et ce sont sûrement les bonzes qui vous ont ramené chez vous. Mais enfin, comment se fait-il que j'ai perdu connaissance? Vous avez respiré la fleur du sommeil. La fleur du sommeil? Oui, c'est bien cela. Le parfum de ces fleurs est si pénétrant qu'il endort tous ceux qu'il respire. Et s'il le respire trop longtemps, c'est la mort. Quelle plante extraordinaire, quand même. Et dire que je n'en avais jamais entendu parler. Mais, si je comprends bien, alors, vous connaissez le contrepoison de la fleur du sommeil? Oui, c'est une recette que je tiens de mon père, qui la tenait lui-même de son aïeul. Il faudra que vous me la donniez, si vous le voulez bien. Bien sûr. Mais ce qu'il faudrait surtout connaître, c'est le moyen de résister aux effets asphyxiants de ce parfum. Et il n'y a que les bonzes qui en connaissent le secret. Mais la jeune voleuse que j'ai suivie devait aussi le connaître. Mais j'y suis. Mais oui, bien sûr. C'est ça, le casque. L'antidote doit se trouver dans le casque. Oui, sans doute. Pensez-vous que Rapopov soit en danger? Non, sûrement pas. Il a sans doute été enlevé par les bonzes. Et les bouddhistes ont horreur de la violence. Il doit être enfermé dans une crypte du temple. Eh bien, est-ce bientôt fini, tous ces mystères? Oui, ma fille, c'est fini. Excuse-moi, Toara, mais encore un petit instant, s'il te plaît. Retourne jouer, veux-tu? Oui, monsieur Bondona, j'y vais. Qu'y a-t-il, monsieur Bondona? Amalo, je suis désolé, mais regardez, là, sur la natte, Toara, pour jouer, a retiré ses chaussures et en entrant ici, elle a marché sur la farine, mais regardez! Oh mon Dieu! La même empreinte que celle de votre voleuse? Mais alors c'est elle? Toara? C'est effrayant. Mais surtout ne lui en parlez pas. Elle ignore certainement ce qu'elle a fait. Elle ne s'est introduite chez moi que plongée dans ce sommeil de l'hypnose. Oh, mais que puis-je faire alors? La surveiller à partir de maintenant. Cette nuit, si elle se lève, suivez-la. Je suis sûr, quant à moi, qu'elle viendra directement ici. Je ferai ce que vous me dites, mais je vous en prie, monsieur Bondona, n'en veuillez pas à la pauvre petite. Elle ne sait sûrement pas ce qu'elle fait. Mais lui en vouloir, au contraire. Grâce à elle, nous sommes sur la piste d'une découverte des plus curieuses. Voilà, monsieur Grivard, tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois que nous nous sommes vus.
J'ai perdu mon fidèle Rapopoff et je nage en plein mystère. Et vous, vous avez l'air d'aller mieux? Ah oui, oui, beaucoup mieux. Votre rencontre m'a rendu tout mon courage. Maintenant, j'ai la certitude que je retrouverai Lorenza. Je peux même vous promettre que demain, c'est moi qui aurai du nouveau à vous raconter. Vous avez découvert quelque chose? Oui, oui, mais je préfère ne pas en parler pour le moment. Seulement, professeur, j'ai besoin de votre aide. Mais bien sûr, que puis-je donc pour vous? Oh, pas grand-chose. Il me faudrait simplement une barre de fer et un bon revolver. Ah, c'est très facile. J'ai tout cela à la maison. Pour quand vous les faut-il? Le plus vite possible. Allons chez vous, si vous voulez bien. Bien, bien. Mais qui peut bien venir à une heure pareille? Qui est là? C'est moi, Tamalou! Ouvrez vite! Alors, Atouara. Eh oui, docteur, vous aviez raison. Atouara dormait tranquillement sur sa natte et soudain, je l'ai vue se lever. Elle avait les yeux fixes et elle marchait comme une somnambule, comme une morte sortie de son tombeau. Vous ne l'avez pas réveillée? Je m'en suis bien gardé. Et maintenant, où est-elle? Elle s'est dirigée vers le temple. Oh, j'ai pas osé la suivre. J'ai eu peur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Rien. Vous asseoir là, sur ce banc, à côté de moi, et attendre. Je parie tout ce que vous voudrez qu'elle ne va pas tarder à arriver. Qu'est-ce que je vous disais? Surtout, ne bougez pas. Quand elle passera près de nous, je lui arracherai son bouquet de fleurs que je jetterai ensuite le plus loin possible. Attention, ne respirez surtout pas. Voilà. Maintenant, nous ne risquons plus rien. Vous avez vu, elle n'a même pas réagi quand je lui ai arraché son bouquet de fleurs. Elle monte au premier étage. Suivons-la. Son masque. Voilà. Regardez l'intérieur. Nous avions raison. Il est plein d'herbes qui doivent être les antidotes de la fleur du sommeil. Surveillez à toi, rat. Mais pourquoi mettez-vous ce masque? Je veux voir s'il me va. Il est juste à ma taille. Bon, j'enlève les deux disques de cornes qui se trouvent à la place des yeux. Comme ça, je vais pouvoir voir. Oh, regardez, docteur. Oh, elle continue d'aller du meuble à votre lit et du lit au meuble. Ne vous affolez pas, Malou. Vous allez la ramener chez vous et ne plus vous occuper de rien. Mais vous, docteur, qu'allez-vous faire? Je vais aller au temple bouddhique coiffé de ce casque. Je vais emporter avec moi le bouquet de fleurs et pour plus de sûreté, je prends également ce revolver. Voulez-vous que je vous accompagne, docteur? Non, 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 Amalou. Il vaut mieux que je sois seul. Mais veillez bien sur Atouara. C'est la seule chose que je vous demande.
est arrivé au passage souterrain qui aboutit au massif de fleurs du sommeil. Le voilà. La statue de Bouddha. Approchons-nous. J'avais raison. L'antidote est bien dans le casque. Je suis au milieu des fleurs et je ne sens rien. Bon. Amalou m'a dit que le cloître était tout près. Il est juste là, sur ma gauche. Mon Dieu, que ce couloir est long. Attention, un bouse. Il vient vers moi. Il n'a pas de casque. Vite, les fleurs. Et voilà. Oh, quelle salle! Ces trois statues du Bouddha sont extraordinaires. Il faudra que je revienne un jour. Ces sept bons en prière ne m'ont pas entendu. Mieux vaut prendre mes précautions. Le bouquet. Et voilà! Sept d'un coup, comme dans les contes de fées. Ça devient amusant. Un escalier. Descendons. Ce qui fait noir. Un autre couloir, tiens. Il y a une lumière là-bas. Quelle crypte! Et cette extraordinaire statue assise sur un trône, mais qu'elle est belle! Et tous ces colliers de perles, on ne voit même pas la pierre dessous. Mais je rêve? On dirait que les seins de la statue se... Mais oui, je ne me trompe pas, c'est une femme, une idole vivante, c'est Lorenza. Bien sûr, la guérisseuse de perles. Lorenza! Lorenza! Mon Dieu! Un bonze avec un casque et armé. Oh, je suis perdu. Il m'arrache mon casque. Au secours! Au secours, le assassin! À moi! À moi! Un bon petit frère, arrive! À moi, au secours! Au secours! Oh! Un popo, faut arriver juste à temps! Hein, petit père? Je suis bien content de t'avoir retrouvé, mon bon Rakopov, mais maintenant, il faut que nous nous dépêchions de sortir d'ici. Tu vas m'aider à emmener cette femme. Mais avant, il faut que je retrouve mes papiers et mes dollars. Voilà, c'est cette porte-là. Personne, les plus supérieurs n'est pas là. Tu avais raison, Rapopov. Regarde, tout est là, sur la table. Bon, j'ai tout. Vite, il faut aller chercher Lorenza. Mon Dieu, elle a disparu. Les signaux de l'arme des bonnes. Vite, vite, petit père.
Il faut filer. Mets-toi d'abord le casque du bonze que tu as assommé. C'est qu'est-ce? Ne discute pas, ils arrivent. Allez, Rapopo, serre-toi de ton couroudou. Moi, j'ai des fleurs. Ouf! Sauvé! Le massif de fleurs! Ils ne nous suivront pas jusqu'ici! Reposons-nous un moment! Ah, nous l'avons bien mérité! Ah non, malheureux! N'enlève surtout pas ton casque! Mais pourquoi, petit père? J'étouffe là-dedans! Oui, mais je t'expliquerai ça à la maison! Tu vois, ils ne nous suivent plus! Ils ont eu bien trop peur de la fleur du sommeil! Bien content d'être enfin rentré. Quand même, je ne me pardonnerai jamais d'avoir abandonné la femme de mon ami Grivard. Mais au moins, nous savons où elle est. Il faudra bien que les bonzes nous la rendent. Dis donc, Rapopov, si tu nous préparais un bon thé pendant que je vais prendre ma douche. Il fait presque jour et je suis épuisé. Va voir qui est là, Rapopov. Mais surtout, n'ouvre pas. C'est une bonze, petit père. Il nous apporte une idole. Un bonze? L'idole? Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Attends, j'arrive. Attention, n'ouvre pas tout de suite. Prends ton couroudou. C'est peut-être un piège. Attends, attends. Je vérifie mon revolver. Tu peux ouvrir maintenant. Mais qu'est-ce que c'est? Mais, Grivard, c'est vous? Sous cette robe de bonze? Entrez, entrez vite. Vous avez donc retrouvé Lorenza? Ah oui, j'ai retrouvé ma Lorenza, mais regardez. Mais regardez, on dirait une morte vivante. Elle ne me répond pas. Elle ne me reconnaît même pas. Ne vous inquiétez pas, Grivard, ce n'est rien. Elle est tout simplement sous l'influence d'une drogue hallucinatoire. Mais j'y pense. J'ai ce qu'il faut pour la faire revenir à elle. Amalou m'a laissé la formule de la potion. J'en ai là. C'est tout préparé d'avance. Vite, Rapopov, donne-moi un verre. Desserrez-lui les dents, Grivard. Oui, comme cela. Il faut qu'elle boive, et qu'elle boive tout. Voilà. Regardez, elle commence à ouvrir les yeux. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Oh, Louis! Ah, oh, mon chéri, tu es là. Mais qui êtes-vous? Ce sont des amis, Lorenzo. Ne t'inquiète pas. Tu as été très, très malade. Mais maintenant, tu es guérie. Oh, Louis. Il me semble que j'ai fait un mauvais rêve. Non, ma chérie. Je suis là maintenant. C'est fini, mon amour. Le bateau! J'avais oublié le bateau. Heureusement, il ne lève l'ancre qu'à midi. Vite, Rapopov, cours au port louer une barque. Il faut que nous soyons partis dans une heure.
Je ne serai complètement tranquille que lorsque nous aurons mis le pied sur le pont du paquebot. Mais jusqu'à présent, personne n'a cherché à nous empêcher de partir. Quand même, je suis désolé de n'avoir pas dit au revoir à Malou et à sa fille. Regardez, petit père. Là-bas, quelqu'un qui est vient vers nous à la nage. Mais c'est à Toara. Pauvre petite, elle a dû nous voir partir et elle n'a pas voulu nous laisser quitter l'île sans nous dire adieu. Monte, monte, mon enfant. Oh, docteur. Docteur, ne m'abandonnez pas. Emmenez-moi, je n'ai plus que vous, mon. Emmenez-moi. Mais ton père, voyons. Ils l'ont tué. Tué? Mais qui cela? Les bouses. Si vous ne m'emmenez pas, ils me tueront aussi. Emmenez-moi, docteur. Je vous en supplie. Ben, assieds-toi ici près de moi, ma petite. Je ne t'abandonnerai pas à toi. Les cabines ne sont pas extraordinaires, mais ça ira. À côté de ma grotte, je les trouve luxueuses. Le capitaine m'a dit de vous apporter les journaux, monsieur Bondana. Il a dit que ça vous aiderait de passer le temps. Bonne idée. Ça fait des mois que je n'en ai pas lu un seul. Voyons si le monde existe toujours. Ça alors. Qu'y a-t-il, monsieur Bondana ? Écoutez ça. Une imposante cérémonie. La ville de San Francisco doit prochainement être le théâtre d'une solennité des plus importantes. Le yacht La Revanche, qui doit amener la dépouille du grand savant français Prosper Bondana, est impatiemment attendu dans notre ville. La remise du corps aux autorités françaises doit être l'objet d'une cérémonie officielle. Une délégation de savants américains sous la présidence du célèbre docteur Cornelius Cram doit rendre un suprême hommage au génial savant que fut Prosper Bondana. La fille et la pupille du défunt doivent conduire elles-mêmes le deuil en compagnie de leur fiancé et de la famille du milliardaire Fred Yorger.